Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be all. On est le lendemain du collage de mes boyaux. Ils ont fini de sécher. J'ai rentré la tank en espérant pour la dernière fois, mais je l'ai vissé solide, tous les boyaux sont coupés, sont fixés, il reste à mettre les collets, puis juste la rentrer le fitting dessus. Fait que ça, c'est un bon projet que j'ai presque terminé, fait que je vais vous montrer, mais je finis ça aujourd'hui, puis après ça, je retourne sur mes réparations d'époxy. Avant ça, je vais vous montrer où est-ce que je suis rendu, puis je vais mettre la porte aussi, fait que je vais finaliser ça, final aujourd'hui. Puis je vais fêter ça ce soir. Oui, il me reste juste le fitting là installé, elle. Puis elle va me rester les collets à mettre là. Il me manque des collets. Malheureusement, j'ai commandé des collets puis j'ai mal compté. Je fais qu'il m'en manque 4. Je vais mettre ceux-là principalement qui sont plus durs à installer. Et ça, c'est le dessous. Ça fait une installation qui est clean, simple. J'ai laissé le wrapping qu'il y avait sur la hausse, sur ça là du bas. Parce qu'elle, elle passe en arrière de la toilette. Anyway, si jamais il se détériore, on peut juste l'arracher. Mais ça va aider à garder la hausse propre le plus longtemps possible. Elle, ben, c'est pas vraiment grave. Hein. Elle traverse un poids sur le bord du mur. Et voici que ça a l'air de l'autre côté. Et elle qui passe à l'arrière de la toilette, qui va en dessous le lavabo. Pour le macérateur. Puis là, ben, j'ai installé aussi la toilette neuve, mais en tout cas, j'ai plein de choses, pas grand chose à voir là. Il y a plein de choses dessus. Il y a une chose aussi, avant d'installer la tank, j'ai tout nettoyé à peu près 4 fois en arrière de la tank. Tout nettoyé comme il faut, la boiserie aussi. Je me suis assuré que ça va être super propre, que rien que j'ai pas oublié en arrière. Là en arrière, je vais continuer à montrer l'installation. J'ai pas installé le macérateur parce que le macérateur, je vais l'installer à peu près en même temps que mon watermaker parce qu'il va être tout dans le même coin. Je vais me faire une tablette spéciale pour pouvoir le fixer. Puis le watermaker va être fixé probablement au côté. Fait que je vais attendre la configuration des hoses, voir qu'est-ce qui va passer. Fait que pour l'instant, le restant de longueur de hose, je l'ai roulé autour du lavabo. Ça, c'est les types de fittings. Comme j'avais déjà montré dans une autre vidéo, qui va aller ici. Ça passe très serré en dessus de la tank. Les boyaux, c'est très très, c'est un tight fit. C'est vrai pour ça que j'avais commandé des hoses flexibles, mais c'est limite, pas mal limite. Fait que je finis ça. Après ça, j'installe ma porte. Ça va être enfin fini. Je vais vous chérir quelque chose. Achetez-vous des collets exprès pour ça. Vous voyez que le collet ici n'est pas perforé. Installez pas des collets comme ça sur vos hoses sanitaires. Ça rentre dans les hoses, ça brise les hoses. Avec ça, l'intérieur est lisse, ça n'endommage pas. Puis tout un double collet. Puis mettez tout un collet à l'envers de l'autre. Toujours. Comme ça, la tension est égale à l'entour de la hose. Parce qu'ils ont tout le temps tendance à serrer plus d'un côté que l'autre. Fait que quand on les met de côté comme ça, ben au moins ils sont serrés. Puis la tendance est tout le temps de serrer vers ici. Fait que elle va donner une pression ici, le collet va donner une pression là. Fait qu'au moins d'un deux côtés, ben, vous avez une tension égale sur votre boyau. Un petit tip. Je vais mettre du silicone ici
pour être sûr que ça scelle bien. L'important du silicone, c'est d'en mettre assez. Ça ne te tente pas d'en manquer. Puis tu es obligé de l'enlever parce qu'il y a une fuite plus tard. C'est peut-être chiant à laver, là, mais j'ai mon temps d'enlever l'excédent et de ne pas en avoir assez. Puis dégler avec une fuite après. Les fittings sont finis d'être installés. Il manque des collets, fait que la dernière hausse du fond, j'ai pas de collet encore, c'est pas grave. J'utilise pas la toilette encore présentement. Fait que je fasse une commande chez Defender, je vais toutes les commander en même temps. J'ai besoin de d'autres collets aussi, du même type que je vous ai montré pour les hausses, la hausse de ligne d'arrivée d'eau pour la toilette. Ça aussi, je l'ai changé, j'ai une hausse neuve. Je veux des collets appropriés pour ça. Fait que il me reste à visser le frame, parce que je l'avais dévissé pour pouvoir le tasser, pour pouvoir rentrer la teinte qui est plus grosse. Puis je vais pouvoir visser mon frame, installer ma porte. Je vais passer ma hausse de ligne d'eau, puis ça va être finalement complété, cette histoire de toilette-là. J'espère jamais être obligé d'y retoucher, à part juste pour de la maintenance normale. Mais ça a valu la peine, je pense qu'on a rendu qu'un bon système qui va être fiable. Je vais vous montrer quelques photos de l'installation qui était là avant. Fini, presque. Il reste que la ligne d'arrivée d'eau à la toilette à passer. Je vais juste la plugger sur la toilette. J'ai pas de collet. Je vais juste la passer là, puis la rentrer.